Hello, hello les amis! Hello, hello, hello! Ah, un petit peu de musique pour se mettre en forme ce matin. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi j'ai la pêche. Ah, il fait beau, il fait chaud, le soleil brille. Eh oui! Salut tout le monde! Salut, salut! Ça fait plaisir de vous retrouver ce matin en forme. Bye, Mani. Eh oui, c'est bientôt l'heure d'été. Salut, salut! Et sous la peau, un oiseau. On va rigoler ce matin. Non, c'est... Salut, salut Fabien! Salut Michel! Il fait soleil, il fait beau, c'est super! Franchement, c'est aimé. Bien danser. Non, on va pas danser aujourd'hui. On va sculpter. Hello, hello la team! Ça y est, ça arrive, ça arrive, ça arrive! Ça y est, ben tout le monde est là. Super. Alors, bonjour à tout le monde. Déjà, bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent sur le groupe. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez apprécier cette session d'aujourd'hui qui est un cours de renforcement musculaire. Alors, pour tous les nouveaux, sachez que nous avons un petit code entre nous. C'est que lorsqu'on arrive sur le groupe, on met hashtag confiné mais pas déprimé. Il faut en profiter parce que bientôt c'est fini le confinement. Ok? Et surtout, mettez votre localité, c'est-à-dire d'où vous venez, le village, la ville, le pays, le département, la région, ce que vous voulez. Mais comme ça nous permet de savoir un petit peu où vous vous situez sur la France ou sur l'Europe ou sur le monde. Voilà. Ça c'est dit. Autre chose, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Ce 7 mai, je crois. On est le 7? Oui, je ne sais plus comment on vit. On est le 7. Voilà. Bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 7 mai. J'espère que cette journée sera à l'image du soleil qui brille, c'est-à-dire agréable et chaude et chaleureuse pour vous. Et puis, donc, la session d'aujourd'hui, c'est une session de body sculpt, de renforcement musculaire. Donc, il va vous falloir un petit peu de matériel. Pas grand-chose, je vous rassure. Un tapis, une serviette, une paire de baskets, juste là je suis sûr que vous y allez tous, il n'y a pas de souci. Et ensuite, moi j'ai pris le choix aujourd'hui de prendre des petites haltères de 1 kg, mais sachez que si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous prenez simplement deux bouteilles comme ceci, qui vous serviront d'haltères, d'accord, que vous pouvez remplir complètement ou pas, en fonction de votre niveau, d'accord, et de votre motivation du jour. Voilà. Sinon, pensez à prendre toujours une bouteille d'eau avec vous pour vous déshydrater pendant le cours. Sachez que je ne vais pas le dire tout le temps, mais il faut toujours boire quand on fait un cours collectif, d'accord? Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, par petite gorgée, ok? Voilà. Et donc, nous étions en compagnie de Gilbert Montagnier avec le Sunlight des Tropiques pour faire plaisir à notre ami modérateur du groupe qui est Patrick Raube. Voilà, et qui est sur le site. Voilà, je tenais à vous féliciter aussi pour votre initiative concernant le livre de cuisine. Il sera bientôt disponible, mais ça, je vous en reparlerai dans la journée, certainement par un post sur le groupe. Voilà, et puis, on va y aller, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est l'heure! C'est l'heure. Ça monte encore ou c'est bon? Non, il y a beaucoup de gens qui ont repris le travail, donc on va être un petit peu moins nombreux sur les lives. Je pense plus ça va aller, moins on sera nombreux, ce qui est normal. Mais par contre, vous savez que vous avez toujours les replays pour vous éclater quand vous rentrez du boulot. Voilà, allez, je vous embrasse tous et on y va. Je pose ceci et on est parti. Allez, go! J'ai mis le short court aujourd'hui, hein. Aïe, 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 ça va chauffer. Ça va chauffer, chauffer, chauffer. Là, je vais être un peu trop de travers, bougez pas, on y va. Ici, on sera mieux. Hop, j'envoie la musique, vous êtes prêts? Tout le monde est ready? Tout le monde est prêt? Ok, alors on y va. Ah,
Les haltères ne sont pas trop loin. Toujours trois parties pour le cours. Un échauffement, un quart de séance et des étirements à la fin. Durée totale du cours, 45 minutes. On part en Italie. Bonjour à nos amis italiens, bonjour à nos amis belges, bonjour à nos amis suisses, bonjour à l'Espagne aussi, au Portugal, bonjour à la Tunisie, au Maroc, bonjour à Israël, bonjour au Togo, au Bénin, à la Côte d'Ivoire aussi, bonjour à la Réunion, bonjour à la Guadeloupe, bonjour à la Martinique, bonjour à l'île Maurice, bonjour à Papeete, ok? Bonjour à tous, bienvenue sur le groupe, on va, on étire. On relâche, encore une fois, étire, relâche, flexion sur les jambes et enroule les épaules, encore, excellent. Engagez vos abdos à partir de maintenant, ok, enroulez vos épaules, super, on y va en point, droite, gauche, ok. Simplement, tu déplaces le poids du corps à droite à gauche, tu serres tes abdominaux, tu repousses le sol, super. Dernière fois, et on pousse les bras devant, avec moi, loin devant, super, on chauffe les épaules, on chauffe les bras, ok, encore. Petit cours de reprise, il y a les long breaks pour moi, donc on y va tout doucement, je sais que vous avez fait plein de replays, je vous en félicite. Dernière, talon fesse, ramène le talon. Yes. Du début. Yes. Hop. Encore, encore. Et pas. Talon. Pense à serrer le ventre. Pointé. Go. Talon. Yeah. C'est la fête, c'est le soleil, c'est la chaleur, c'est le sud. Go! Encore. Talon fesse. Yes. Step touch, à droite, à gauche. Simplement, pour s'échauffer, on rentre doucement dans le cours. Tranquille, on tire toujours les coudes. Super. Regardez ici pour chauffer bien les épaules. Avec moi, vous restez en step touch et vous enroulez les bras. Super. Derrière, comme si vous faisiez la lâche, le dos croulé. Encore. Dernière fois. On repart du début. Ouais. Encore. 4, 3, 2, talons fesses. Super. Hop, on enroule les bras d'un côté, de l'autre. Encore. 4 de plus. 2 de plus. Ok, genoux, on répète. Et on laisse aller ses bras. Toujours. Montez le genou, changez de côté, à gauche. Super. Excellent. Pensez à engager vos abdos. À droite. Et à gauche. Super. Encore à droite. Encore à gauche. Très bien, on repart du début. On pointe, go. Talons fesses. Super. On enroule les bras, step touch. Et les quatre genoux. 4, 3. Du début à gauche, on pointe. Les talons fesses. Super, on enroule les bras, le gauche et le droit, super, et les genoux, excellent, début, go, canon, vous l'avez parti en boîte de nuit, hein. Yes, loin va chercher avec les bras, t'as vu, je parle comme maître yoga, et début, hop, canon, super, enroule, genou. Et dernière fois, tour à droite.
Très long. C'est clutch. Oui. Genou. Talon fesse. Amusez-vous, prenez du plaisir dans ce que vous faites. Ça, c'est le plus important. Ok. Dernier talon. Genou. Restez en bas. Pointez. Ok, relâche le buste et place toujours engagé tes abdos, tout le temps. Hein. Ok. Je suis bien sur tes cuisses. Super. Inspire avec moi. Reste en haut. Ok, relâche. Tu prends tes bouteilles, tu prends les haltères, comme tu veux. D'accord. On y va. Ok, super. Avec moi, flexion en squat. Mettez vos pieds sous les hanches, s'il vous plaît. Engagez vos abdominaux. Ouvrez vos pieds vers l'extérieur, d'accord? Légèrement. Les genoux aussi, c'est important. Rentrez le ventre, descendez vers le sol et revenez en flexion des avant-bras, d'accord? Travail des biceps ici. Allez, on descend sur les cuisses. Voilà, super. Ce qui est important, c'est que vous poussiez les fesses vers l'arrière, d'accord? Libérez la hanche. Le fait que vous ayez légèrement les genoux vers l'extérieur, ça vous permet, si vous le souhaitez, de descendre plus bas, d'accord? De libérer la hanche. Pour les débutants, restez à niveau intermédiaire. Pour les confirmés, descendez. D'accord? Allez chercher en bas. Super. Encore. Excellent. Gardez les coudes près du corps. Ramenez simplement les bras vers la poitrine. Encore. Super. Pensez à serrer. Gardez le buste haut, d'accord? Regardez devant vous et souriez. Ça va commencer à chauffer sur les cuisses. Petit en bas, presse. Tout petit. Allez, on enfonce bien les talons dans le sol. On sent les cuisses qui travaillent. D'accord? On sent les cuisses qui travaillent ici. Encore. On serre ses abdos. Trois petits. Trois, deux, un. Ça réveille. Hop. Trois, deux, un. Encore. 3, 2, 1, encore, 3, 2, 1, sur l'écran, 8, super, 7, encore, 6, toujours, 5, bien, 4, on y va tout doucement et on va monter en puissance, d'accord, ok, hop, 8 de plus, 8, 7, 6, 5, encore 4, 3, super. 2. Restez avec moi. Ici. Poussez la jambe. Ramenez vos jambes. Poussez la jambe sur le côté. D'accord? Simplement ici. Et les bras, vous allez lever sur le côté. Ok? Avec moi. C'est parti. 4. 3. 2. On y va. Ouvre. Hop. Lentement. Ok? Alors, je ne veux pas voir ça. D'accord? Ça, c'est pas bon pour les bras. C'est ici. Hop. On ouvre. Hop. La jambe d'appui est fléchie. Hein. On travaille lentement. Ok. On ne va pas chercher la rapidité dans le moment. On va essayer de placer son geste. Là, vous avez simplement cette jambe d'appui. La jambe gauche ici qui est fléchie. Et tu ouvres la jambe droite. Encore 8. 7. 6. 5. Encore 4. Tu vas sentir les épaules. 3. 2. Regarde bien avec moi, tu restes ici, hop, tu ouvres, là, tu serres les coudes, et tu vas ouvrir derrière et tu reviens, loin derrière. Alors ce qui est important, c'est de sortir la poitrine en arrière, de faire travailler justement, hop, au niveau des omoplates, d'accord? Là, on resserre. Pour ceux qui ont des problèmes de coiffe des rotateurs, c'est un exercice excellent. Le coude est près du corps, j'ouvre vers l'arrière. Mais j'engage aussi au niveau du dos. D'accord, derrière? J'engage au niveau du dos. C'est-à-dire que je rapproche les omoplates. D'accord? Je rapproche les omoplates. Encore. Super. 8 de plus. 7. 6. 5. 4. Sentez vos épaules. 3. Ça vient tout doucement. 2. Super. 1. Rapproche la jambe ici et ouvre. Reviens. Le mouvement précédent, mais de l'autre côté, côté gauche, d'accord? Essaye de tendre tes bras un tout petit peu, tu ne montes pas plus haut que l'épaule et tu gardes surtout la jambe d'appui fléchie ici, d'accord? Jambe d'appui fléchie ici, encore.
Super. Encore. Très bien. Encore. Hop. Yes. J'en veux 16 de plus. Ah ben oui, change un peu. Hop. Encore. Hop. Hop. Toujours. Hop. Hop. Restez bien fléchis cette jambe d'appui. Ok, 8 de plus. 8. 7. 6. 5. Ça commence à chauffer sur les épaules. 4. 3. 2. 1. Tu restes serré ici. Tu restes ici. Tu ouvres. Simplement ça. Regarde, je mets le profil. Garde les coudes bien haut. Travaille sur la rotation. Pareil. Pour la coiffe des rotateurs, c'est un excellent exercice, d'accord? Encore, encore. Hop. Gardez les jambes ouvertes, sous le, les pieds sous le bassin. Super. Encore. Super. Excellent. 5, 6. Pareil, engagez derrière ici avec les omoplates. Serrez avec le dos. Serrez avec le dos. Serrez avec le dos, d'accord? Rapprochez vos omoplates. Super. Hop. Sentez vos épaules qui chauffent. Yes. Restez ici, poussez plafond, poussez, hop, poussez et quand tu fléchis, tu descends, pousse, hop, pousse, encore, pousse, super, pousse, encore, pousse, très bien, pousse, toujours, encore 8, 7, 6, 5, encore 4, 3, 2, que les jambes, viens avec moi, forme. Tu changes. Hop, l'autre pied. J'y vais lentement pour tous les débutants qu'on traîne. On fléchit les deux jambes, d'accord? On descend vers le sol. On fléchit les deux jambes. On descend vers le sol. Et quand on descend, on pousse les bras en haut. On tire en bas. Encore. En haut. On tire en bas. Encore. En haut. On va accélérer après. Hein? Ok. Encore. Yes. C'est bon, vous l'avez? Plus rapide. En haut. Reviens. Super, place ton mouvement, sentez tes épaules qui chauffent, sentez tes cuisses qui chauffent, encore, super, toujours, on y va tranquille, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et tu restes avec moi ici, super, tu restes ici. Tu prends les deux, là, une bouteille, tu fais les petites haltères, tu prends les deux dans un bras. Tu pivotes, descends d'avant, descends. Ah. Tu pousses un peu les fesses derrière, tu fléchis la jambe d'appui, tu gardes le tour de près du corps, tu tires, retiens. Encore. Simplement ça, voilà, super. 8, 7, 6. 5, je travaille le dos, tu rapproches les omoplates. Ah, si je suis pas ici, je suis ici, hein? D'accord? Ok, hop, petit en haut, presse, presse, presse. Tu vas sentir aussi l'arrière d'épaule, d'accord? Hop, hop, encore, 7, presse. C'est trop dur avec les deux haltères, t'en prends qu'une, hein? D'accord? Ok, hop, hop, encore, presse, 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 encore, presse. Presse, bon facile, hop, dernière, 7, 6, tu restes ici, regarde simplement, tu pousses derrière, pousse l'avant-bras, hop, là, tu sais ce qu'on travaille là, le muscle qui est sous le bras, d'accord, le muscle qui est sous le bras, le travail de triceps, d'accord, 7, 6, garde le coude haut, regarde où je passe, ça fait 8, hop, 7, encore, 6, 7, engagez vos abdos, 4, 3, 2, 1, redresse. Viens ici, ramène les haltères dans le milieu du dos ici, ou la bouteille dans le milieu du dos. Garde le coude là, avec moi, tu montes, retire. On revient sur le tricep, mais sur une autre formule. Encore, pousse, 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 super, pousse, encore, pousse, pousse, tu vois, ça va chauffer ici. Hop, encore, hop. Toujours, encore 8, 7, 6, 5, encore 4, 3, 2, excellent, 1,
change. Soit les affirmes à votre main, hop, fléchis sur la cuisse, garde l'autre là. Si elle coude, si elle coude en haut, avec moi. Monte, retiens. Monte, retiens. Monte, retiens. Hop, encore. Je te rappelle que ça marche aussi, hop, avec la bouteille. Hein. D'accord? Ça marche aussi avec la bouteille. Hein. D'accord? Ça marche pareil. Ce qu'il faut que vous ayez, c'est le coude bien contre le buste. D'accord? Le coude bien contre le buste. Ça, c'est important. Ok? Encore. Super. Hop. Dernière fois. Petit en haut, presse. 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 Dans cette position, pensez à pousser le nombril dans le dos. Ok? Et premier appui sur la cuisse. Voilà. Super. Pensez à rapprocher votre nez plat derrière pour faire travailler l'arrière d'épaule et le dos. C'est important. Ok? D'accord? Encore. Presse. Presse. Dernier. 5, 6, 7. Tu restes ici avec moi. Tu pousses derrière. Reviens. Pousse. Là, ce qui est important, d'accord? Le coude très haut. Si c'est trop dur avec deux haltères, prenez-en qu'une. Ok? Ne vous fatiguez pas pour rien. Allez jusqu'au bout du mouvement et essayez de tenir toute la série. D'accord? Si c'est trop dur avec les haltères, faites-le sans les haltères. D'accord? Mais allez jusqu'au bout de la série. Ok? D'accord? Ok? On peut le faire avec la bouteille, avec deux haltères, avec une haltère, voire sans haltère. L'important, c'est de faire travailler le triceps. D'accord? Prenez votre niveau. Super. 7, 6, 7. Et on revient avec moi. On monte. On place le coude derrière ici. Vous voyez? Il est au milieu sur le mont plat. D'accord? Le coude vers le plafond. On reste ancré sur ses cuisses. Et on part ensemble. On monte. Retire. Hop. Encore. Monte. Super ce que vous faites. Allez, pousse. Vous allez sentir l'arrière du bras. C'est ce que j'appelle moi les ailes de chauve-souris, vous savez. Là, derrière, ou le dindon. Voilà. Hop, encore. 8, 7, 6, 5, encore 4, encore 3, encore 2, encore 1, dernier, et tu relâches. Tu poses, tu bois un coup s'il te plaît. Tu bois un coup. Biceps, latéral épaule c'est fait. Arrière du bras c'est fait. Un peu les cuisses. N'oubliez pas que demain on va se rendre dedans. Donc aujourd'hui on se calme un peu. Et comme ça permet à ceux qui nous rejoignent et à ceux qui sont débutants de se mettre en place. Parce que vendredi et samedi, c'est deux cours intensifs qui nous arrivent. Hein. D'accord? Ok, alors profitez de cet instant pour justement remettre en mouvement vos muscles et pour ceux qui arrivent, de prendre le rythme tout doucement. Ok, on se met avec moi ici, jambes serrées. Attention, mouvement un tout petit peu technique. On va travailler l'arrière des poils ici. Ce que je vais vous demander, c'est de pousser les fesses vers l'arrière, serrer vos abdos, monter sur le côté avec moi, d'accord? Je me mets face, on est ici, on y va, on regarde vers le sol, on monte et on retient, ok? Allez, monte, retiens, monte, retiens, monte, retiens, monte, retiens, encore, 8, super, 7, encore, 6, toujours, 5, encore, plus que 4, plus que 3, plus que 2, et plus qu'un, 3 petits en haut, et 3, et 2, et 1, et retiens. Cet exercice est excellent pour les gens qui font des abdos et qui ont toujours mal au cou. Ça vous renforce en fait votre appel. D'accord? Et 3, et 2, et 1, sur les grands. En 8, et 7, encore. Et 6, super. Et 7, encore. Encore 4, encore 3. Il nous reste devant l'épaule à faire. Ok? On y va, on repasse le buste, on alterne droite. Et gauche à la Rocky Balboa. Ouvrez vos jambes. On est parti. On serre les abdos. Et droite. Et gauche. Montez pas plus haut que le mouvement doit s'arrêter au niveau de l'épaule. D'accord? Droite. Et gauche. Encore. Et droite. Et gauche. Toujours. Et droite. Et gauche. Encore. Et droite. Super. Et gauche. Plus rapide. Droite. Gauche. Regarde, je croise au milieu. Croise au milieu, ça change tout au niveau du mouvement, d'accord? Les bras sont légèrement fléchis. Encore.
Et tu peux le faire aussi sans haltères. Et droite et gauche. Croisez bien au milieu, croisez bien au milieu. D'accord? Croisez au milieu, ça va solliciter et engager en plus le moyen pectoral un tout petit peu. Ok? Hop, super. Hop, encore, encore. 8, 7, 6, 5. Je vais vous demander d'engager un petit peu plus vos abdos. D'accord? Serrez vos abdos parce que le mouvement va aller plus haut et plus loin. Avec moi. Go! Ouais! Plus lentement et plus loin. Montez jusque vers l'arrière. Allez chercher le mouvement. Très loin. Très haut. Engagez vos abdos. Engagez vos abdos. Montez le bras jusqu'en haut. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reste avec moi. Tourne les mains ici. Tourne les mains. Les pommes de main face au plafond. Monte et retiens. Monte et retiens. Alors pourquoi on fait cette variation? Ça permet de travailler un tout petit muscle qui est sous l'épaule et qui vient arrondir l'épaule en avant. Ok? On y va. En 8. 7. 6. Les deux bras en même temps. Vous devez engager un peu plus les abdos, fléchir un peu plus sur les jambes. D'accord? 7. 6. 7. 8 encore. 8. 7. Yes. 6. Yes. 5. Encore. 4. 3. 2. 1. Reste ici avec moi. Regarde. Tu vas en dedans et tu ouvres. Dedans, tu ouvres. Toujours. Rotation interne externe. D'accord? Les coudes dedans, c'est comme ça. Hop. Yes. Hop. Les coudes au niveau des épaules. 8. 7. S'il y en a qui ont des problèmes d'épaule, des problèmes de tendinite, je suis en train de vous faire un renforcement de la quadrille rotateur. C'est idéal pour vous ces exercices. Hop, encore. 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 5, 6, 7. Les 8 derniers avec moi. Et 8. 7. Ça chope. 6. Je vous remets le profil. 7. Encore. 4. Bien. 3. Super. 2. Parfait. 1. Reste avec moi. Tu ouvres, tu serres. Tu ouvres, tu serres. Tu ouvres, tu serres. C'est ce qu'on appelle communément le butterfly. On ouvre, on serre. On ouvre, on serre. Ouvrez vos jambes aussi maintenant. Hop, avec moi lentement. Tu ouvres, tu pousses les chiens. Hop, tu serres. Tu ouvres, tu pousses les chiens. Hop, tu serres. Tu serres les abdos. Hop, yes. Hop, encore. Hop, yes. Hop, encore. Hop, yes. Hop, encore. Hop, super. Hop, les genoux vers l'extérieur, c'est important. D'accord? Hop, dernière fois. Hop, yes. Hop, encore. 8, bien. 7, encore. 6, hop, 7, encore. 4, bien. 3, super. 2, parfait. 1, et tu relâches. Et relâches. Tu gardes les haltères, tu prends le tapis, tu prends la poire et on va passer au sol. Ok? Il nous reste 20 minutes de cours pour faire les fesses et les abdos. Ok? 10 minutes pour les fesses, 10 minutes pour les abdominaux. Ça passe vite, hein? Ça passe vite, hein? Buvez. Vous avez pris vos haltères? Les haltères, vous êtes... D'accord? Au sol, par terre. Vous allez vous allonger. On va commencer par les fessiers. Vous rapprochez en fait vos pieds des fesses. Ok? Vous posez la tête au sol. Vous rentrez dedans. Vous avez les genoux largeur épaule. Ok? Même largeur. Prenez les haltères dans les mêmes. Vous les avez. Ok, pour l'instant, vous les posez au sol et vous les gardez dans les mains, d'accord? Vous les gardez dans les mains. On va monter les fesses et on retient. Celui-là, vous le connaissiez, c'est facile. Imaginez qu'il y a une orange ou un pamplemousse entre les fesses. Vous serrez très fort pour faire du jus
Et le simple fait de rapprocher les fesses l'une contre l'autre, ça les fait décoller du sol. D'accord? Je veux pas ça. D'accord? Ça, c'est pas bon. Pour les débutants, ça, c'est pas bon. D'accord? Moi, ce que je veux, c'est juste qu'on décolle les fesses un tout petit peu et on revient. Ok? D'accord? On bosse plus, par contre. Hein? On garde les fesses toujours décollées, les talons enfoncés dans le sol. Les mains ici, on y va. On monte, retiens. Monte, retiens. Encore. Hop. Regarde ici, tu fléchis les bras, hop, tu fais la même chose avec les bras et les jambes, hop, toujours pour la rotation, avec moi, hop, hop, encore, hop, 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 et tu restes petit en haut, les fesses en bas les bras, presse, 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 tu serres les fessiers et serre, serre, serre. Serre encore, serre, 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 serre encore, 8, 7, 6, 7, 4, 3, 2, tu restes en haut, tu bouges plus, tu gardes les fesses décollées, contractées, les talons avancés, tu lèves les bras là-haut, tu mets les haltères face à face, comme ceci, tu vas ouvrir loin derrière, inspire et souffle, inspire et souffle, les fesses ne bougent pas. On travaille l'épaule et on travaille les pectoraux, ok? On ouvre, on serre. On ouvre, on serre. On ouvre, on serre. On ouvre, on serre. Encore, ouvre les bras et ramène. Hop, encore. Hop, encore. Hop, toujours, même chose. Je vous rappelle que vous avez toujours les fesses décollées, d'accord? Les abdos engagés, vous respirez normalement. Encore 8, 7, super. 6, toujours. Serre. Maintenant regarde ici avec moi, tu vois, tu serres et quand tu rapproches les bras, tu montes les fesses, d'accord? Quand tu rapproches les bras, tu montes les fesses. Et tu vas sentir tes fessiers travailler, d'accord? Hop, encore, encore, 8, bien, 7, bien, 6, bien, 5, encore, 4, super, 3, encore, 2, très bien, 1, tu restes en haut ici. Réunis avec deux bouteilles, tu prends qu'une seule bouteille avec les deux mains, d'accord? Qu'une seule bouteille avec les deux mains, ou alors les deux haltères. Tu gardes les fesses décollées, tu vas ouvrir les pieds, les genoux vers l'extérieur, que les fesses petits en haut, presse, presse. J'ai ouvert mes pieds et mes genoux vers l'extérieur. Je fais une grande ouverture sur le bas, ce qui m'oblige à serrer encore un peu plus les fesses, d'accord? Et je presse petit en haut, hop, hop, encore, presse, presse. J'ai toujours mes bras tendus vers le plafond, ok? Toujours mes bras tendus vers le plafond. C'est bon? Impeccable. Super, c'est bien les amis, c'est bien. Continuez. Si ça va, mettez-moi un pouce, ok? Mettez-moi un pouce, je vois rien de là-bas. Hop, 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 encore. Presse, 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 presse. Presse encore. Est-ce que vous sentez le côté de la fesse là? D'accord? Le côté de la fesse qui travaille. Les genoux sont largement ouverts vers l'extérieur. Les abdos sont engagés. Les bras sont tendus. On reste en haut. On ne bouge plus avec les jambes. On garde les fesses décollées. Les genoux ouverts. Regardez ici. On rapproche les coudes. On ramène la bouteille des haltères vers le front. Et on remonte. C'est à nouveau le triceps qui travaille. On y va. En bas. En haut. En bas, en haut. Alors j'ai dit vers le front et pas dans le front, d'accord? On évite de se faire des bosses, ok? D'accord? On vient vers le front et on repousse. Hop, encore. Ça bouge uniquement au niveau de l'articulation du coude, ok? Il n'y a que l'articulation du coude qui bouge. Encore. Hop, encore. Hop, encore. Hop, on va chercher le mouvement. Ça marche aussi sans haltère, d'accord? Sans haltère, on prend ses bras, hop, ici, et on serre, on pousse. Pour les gens qui sont fragiles, qui commencent, ou qui ont peur, ou qui n'ont pas d'haltère, saisissez vos mains, hop, et vous ramenez vers le front et vous poussez, c'est pareil, ok? Ça fait travailler l'arrière du bras, ça fait travailler le triceps, ok? Au front, tu pousses, au front. Je vous rappelle pendant ce temps que les fesses sont toujours décollées et qu'elles ne bougent pas, d'accord? Et 7, et 6. Et 7, et on reste petit au front. Presse, 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 presse encore. Presse, 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 presse.
Presse. 3 petits avec moi et 3 et 2 et 1, tu pousses les bras. Encore. 3 et 2 et 1, tu pousses les bras. Encore. 3, 2, 1, tu pousses les bras. Encore. Tu fais la même chose. Quand tu pousses, tu montes les fesses. 3, 2, 1, tu montes les fesses. Toujours les pieds, les genoux ouverts vers l'extérieur. Encore. Et 3, et 2, et 1, tu pousses. Et 3, et 2, et 1, et sur les bras, on y va. En bas, on pousse. Cette fois, il y a les bras et les jambes qui travaillent en même temps. Les fesses, les biceps. Encore. Hop. Yes. Hop. Yes. Encore. Yes. Encore. Yes. Encore. Dans le 8 de plus. Et 7. Encore. Et 6. Toujours. Et 7. Toujours. Et 4. Encore. Et 3, encore, et 2, encore, et 1, tu restes en haut. Tu poses les poids, tu isoles les fessiers, tu serres, tu ouvres. Tu gardes les fesses décollées ici, les poings sont poussés au sol, tu rapproches les genoux simplement, hop, et tu gardes les pieds écartés et les talons enfoncés dans le sol. Les fesses contractées toujours, ok, tu serres, encore, rapproche et ouvre, rapproche. Et ouvre, rapproche, et ouvre, rapproche, rapide, ferme, ouvre, hop, hop. Sentez la fesse qui commence à venir ici, d'accord? Yep, 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 5, 6, 7, 8 encore, serre, toujours, serre, ça commence à chauffer, hop, hop, encore, 4, 3, 2, restez les genoux serrés, rapprochez vos pieds, collez vos pieds joints, vos genoux joints, gardez les fesses décollées, repartez petit en haut. Presse, dernière fois, serre, reposez les haltères pendant ce temps, préparez-vous pour la suite, d'accord? On monte sur les jambes, on monte, retiens, monte, retiens, monte, retiens, monte, retiens, encore, monte, retiens, monte, retiens, monte, retiens. Hop, dernière fois comme ça, encore 8, 7, 6, 7. Écoutez-moi bien les amis, écoutez-moi bien. Vous avez les haltères dans les mains, elles sont rapprochées de la poitrine. Tu gardes les fesses décollées. Tu ne bouges plus. Tu vas tendre la jambe droite et en opposition le bras gauche. Tu viens, tu poses, tu tends l'autre jambe. D'accord? Toujours les fesses décollées, c'est le bras opposé à la jambe. Si je tends la jambe gauche, je pousse le bras droit et je ramène. Si je tends la jambe droite, je pousse le bras gauche et je ramène. Ce qui est important, c'est que lorsque vous détendez la jambe, ça reste aligné avec la jambe opposée. C'est pas au-dessus, c'est pas en-dessus, d'accord? Ça reste parallèle au genou au sol. Les fesses sont toujours décollées, les abdos sont toujours rentrés. On y va? Allez, on y va, c'est parti. On pousse, hop, pousse, hop, pousse, hop, pousse, hop, pousse, hop, pousse. Loin derrière encore, 8, 7, 6, 7. Qu'est-ce que j'ai emballé là-dessus? Encore 8, 7, 6, 5, encore 4. Vous n'avez pas emballé, vous les garçons, là? Hein? Sur cette chanson? Ouais. Encore 8. Oh oui, encore 8, super 7, c'est facile. Et ça fait travailler les cuisses. Ça fait travailler les fessiers. Ça fait travailler les bras. Ça fait travailler les pecs. Et le dos aussi. Hop, encore, pensez à respirer. 8 7 6 7 Encore 4 3, écoutez-moi les amis, on va garder simplement les bras sur les pecs et on repartit les fesses en monte et en redescend. Monte, redescend, monte. Ah voilà, je savais que vous avez emballé vous aussi les garçons là-dessus.
Eh ben oui, c'est obligé. Hop, encore, on monte les fesses et on retient. Monte. Hop. 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 Encore. Monte. Retiens. Monte. Retiens. Monte. Retiens. Monte. Petit en haut. On presse. Fesses. 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 T'as toujours les pieds et les genoux serrés. On passe toujours au pamplemousse ou à l'orange. Et on fait du jus. Il faut faire 1 litre ou 2 litres de jus avec une orange ou un pamplemousse. Hein. On y va, 3 petits, 3, 2, 1, tu retiens, 3, 2, 1, tu retiens, encore, 3, 2, 1, tu retiens, encore, 3, 2, 1, sur les grands, et monte, 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 monte les fesses, hein, 8, 7, encore, 6, encore, 7, toujours, encore 4, encore 3, encore 2, dernier, tu restes en haut, tu bouges plus, contracte, reste, tu sens même les adducteurs logiquement, tu peux, 4, et 3, et 2, tu poses les fesses, ok, tu restes ici, je te rappelle que tu as toujours les haltères, ok, tu croises les jambes, les débutants peuvent faire ce mouvement, si tu as la bouteille, tu prends qu'une seule bouteille, d'accord. Si tu n'as pas d'haltère et pas de bouteille, tu serres tes mains, ok. Là, tu engages tes abdos, tu ramènes tes genoux vers toi, ok. Vous avez vos haltères dans les mains, vous gardez les bras fléchis, vous allez chercher loin derrière et tu reviens. C'est ce qu'on appelle le mouvement du pullover en musculation. Ça permet d'agrandir le thorax, d'accord. Par contre, il faut que vous rapprochiez les coudes, ok. Si vous avez les coudes ouverts, ça ne marche pas. On y va, go. Oh. Allez. La 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 la. C'est ma jeunesse. Hôtel California, c'est ma jeunesse encore. 8. 7. Respirez normalement. 6. 5. 4. 3. 2. Serrez vos abdos. Sentez vos abdos qui s'engagent. On descend. 1. 2. Reviens. Reviens. 1. 2, reviens, reviens, encore, 1, 2, reviens, sentez la poitrine qui se rapproche aussi, et vous étirez la cage thoracique en même temps, encore, 8, lentement, California, oh c'est bon ça, 7, oh oui, encore, 1, 2, California, oh, allez, reste dernière fois avec moi, il y en a 8, hop, dernier, 7, hop. Alors ne pensez pas que vos abdos sont inactifs, hein. Vous devez rentrer le ventre, hein. Vous êtes un hypopressif, d'accord, hypopressif, donc vous rentrez le ventre au maximum et vous continuez le mouvement ici, hop, hop, dernière fois, et 7, 7, hop, dernière, 5, 6, 7, regarde avec moi la descente. Et quand je reviens, tu serres et hop, tu enroules le bassin. Hop, serre, enroule le bassin. Travaille ta jambe. Hop, enroule le bassin. La tête est toujours au sol. Ça permet que ceux qui ont mal au cou, quand ils travaillent les abdos, là, ils travaillent leurs abdos sans tirer sur la nuque. D'accord. Et on enroule. Ok. Et on enroule. D'accord. On enroule le bassin, on décolle les fesses, on rentre le ventre. Et en même temps, vous sentez vos épaules, vous sentez vos pecs qui travaillent si vous serrez bien vos coudes. Allez. Encore une fois. Yes. Super. Et on reste ici. Regardez, vous gardez les fesses décollées. Là, les fesses sont décollées, d'accord. Les genoux sont ramenés vers vous. Les mains sont derrière la tête. Pour les débutants, une seule main et on monte. 1, 2, retiens, retiens. Serre. Oh oui. Dernière. Vous connaissez ça, je pense, là. 7, 6, sur un temps.
serrez le ventre. Vous sentez la brûlure sur les abdos qui arrive. Vous la sentez venir, elle devient doucement. Ça, c'est si vous avez bien préparé le travail en amont. Vous allez vraiment sentir la brûlure sur le ventre qui arrive, d'accord? Petit en haut, on y va. Fesse. California. Encore, 7, 6, 7, 8, toujours, et presse, 4, 3, 2, on a fini les amis, voilà qu'on monte, attends, on serre, encore, monte, dernière fois, 7, si tu restes en haut, tu bouges plus, tu gardes la contraction, tu gardes les épaules du côté. Et on pousse les jambes. Droite, gauche, droite. Pour les débutants, vous poussez vers le plafond, d'accord? Pour les débutants, vous poussez vers le plafond. Pour les confirmés, vous poussez vers le bas et vous allez sentir vos abdos là. Ok? Hop, travaille lentement. Allez chercher la contraction. Dernier, 7, 6, mais ici. On pivote avec moi, ici à gauche et à droite. Encore. Allez, go, c'est parti, et vite. Hop, 7, hop, 6, hop, 7, hop, encore 4, hop, 3, hop, 2, 1, pause, étire, repart le buste à droite, hop, à gauche, avec les mains, à droite, hop, on finit proprement, ici, super, hop, dernier fois, les abdos, encore 8, 7, 4. On va rester tout petit. À droite. Reste. Presse. Gardez l'épaule droite au sol. Décollez que l'épaule gauche. Gardez le bas du dos plaqué. Avec la main gauche, allez chercher le genou droit. Encore. Super. Engagez vos abdos. Encore. Et 7. Et 6. Respirez normalement. Et presse. Presse, dernière, 7, 6, repart interne, gauche et droite, et gauche, hop, et droite, ça va toujours, et gauche, et qu'est-ce qu'on dit quand ça va pas? Vous le savez, dites-le aux nouveaux qui sont arrivés sur le groupe, hop, dernière fois, encore 8, 7, 6, 7, encore 4, encore 3, encore 2. On reste tout petit à gauche. Et presse. Encore 7, 6, 7, 8 derniers. Presse. Encore. Presse. Presse, repart à terme, encore 8, hop, 7, 6, 7. Pour les plus doués d'entre vous, pour ceux qui veulent se rendre dedans jusqu'au bout, on continue les obliques, mais avec les haltères, et ça fait hop, 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 hop. Par contre, on est obligé de poser la tête sur le menton, hein, le menton sur la poitrine, pardon. Hop, encore, hop, n'importe quoi, hop, encore, 8. 7, 6, 7, regardez devant vous, allez, et 2, parfait, les deux bras devant, on monte loin, pousse, pour ceux qui ont des problèmes de nuque, je vous conseille de garder les mains derrière la tête, d'accord, pour soulager votre nuque, ok, et pour ceux qui débutent, je vous conseille de garder qu'une main derrière la tête, et l'autre main sur le ventre.
Jambes en dos sur la pointe vide, on pousse. On pousse. Et on fait la même chose, regardez, ici on lève les jambes, hop, on y va. Et serre. Hop, les jambes tendues, hop, on monte, on va chercher les chevilles. Hop, encore. Serre. Hop, pour ceux qui ont pas les haltères, même derrière la tête, ok. Pour ceux qui débutent, main sur le ventre et jambes croisées. D'accord. Monte, retiens, monte, encore. Pousse, yes. Dernier, 7, 6, 7. Petit en haut, presse, 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 presse. Dernier au doigt, 7, 6. On reste en haut, on bouge plus compact, 8, 7, 6, 7. 4, on pose les haltères pour ceux qui les ont, on reste ici, on monte les fesses et on retient. Monte, retient, monte, retient. Vous les sentez les abdos là. Encore 8, il n'y a que les fesses qui montent. Hop, pour le débutant, les jambes fléchies, on tire un tout petit peu le genou vers nous. D'accord. Ça c'est pour le débutant. Ok. Pour les confirmés, les jambes tendues, on monte les fesses. Dernier fois, 8, 7, 6, 5. Encore 4, 3, je suis en retard, et 2, et 1, on reste en haut, on ne bouge plus, on reste, on garde le ventre serré, et 4, et 3, et 2, et tu relâches, et relâches. Restez allongé, restez allongé. J'ai pas vu l'heure. Oh non, ça va, je suis en retard de 2 minutes, ça va. Ça va toujours les amis? Pas trop dur? Facile, non? Ah ben oui, quand je vois le nombre qu'il y a de connectés pour un jeudi matin, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça va, c'était facile? C'était une petite reprise sympa tous ensemble? Allez, petit stretching, vous voulez? C'est le soleil, c'est la plage. Constance, hein? Donc on était allongé, hein. On était comme ça, on a posé les pieds, ok, on va poser les bras en croix au niveau des épaules et on va laisser tomber les jambes sur le côté droit et on tourne la tête à gauche. Laissez décoller le bas du dos et restez. Je sais pas vous, mais moi c'est vite passé, hein. J'ai pas vu passer le temps, hein. Oups, on change, on ouvre d'abord la jambe gauche, puis la jambe droite. On remet la tête dans l'axe, c'est-à-dire on regarde le plafond. On laisse tomber les jambes à gauche en laissant décoller le bas du dos. Et on tourne la tête à droite. Et on reste. Donc vous avez compris que c'était un cours qui était axé sur la coiffe des rotateurs et sur les triceps en particulier. Et bien sûr, abdos et fessiers. D'accord? Ce qu'on appelle la coiffe des rotateurs, c'est tous les muscles de l'épaule, en fait, de la scapula, de l'omoplate de l'épaule, du dos, là, ces deux zones-là. Allez, on revient à ta dos. Alors, pour ceux qui arrivent à se relever, en attrapant les genoux, vous attrapez vos genoux, vous posez le menton poitrine et vous venez vous asseoir. Pour ceux qui ont du mal à faire ça, mettez-vous sur le côté, roulez sur le côté et mettez-vous sur les genoux. Tout le monde. Je vous attends sur les genoux, tout le monde. Je vais venir face à vous, ça va mieux. Hop. Ah, j'adore cette musique. La bossa nova. Regardez ici avec moi. Pour l'épaule, vous passez la main comme ça. Coucou. Hop, dessous. La paume de main vers le plafond. Et vous descendez, vous allez coucher l'épaule au sol. Et vous revenez, imaginez-vous à Copacabana, sur la plage, le plein de sucre, le petit cocktail, le parasol,
on revient. Les odeurs de Monoï. Le bruit des vagues. Les jolies filles. Les beaux garçons. Les corps huilés, bronzés, épilés. Tout ce qu'on n'a pas après 2 mois de confinement, vous voyez. On ressemble plus facilement à Chewbacca. Mais bon. On revient. Les genoux vers la poitrine ici, on arrondit le dos et on souffle de plat. Non, c'est vrai, après 2 mois de confinement, tu ressembles plus à Chewbacca qu'à un corps huilé, quoi. Si tu huiles le corps maintenant, t'as l'impression de mettre l'engrais dans le gazon, quoi. Allez, on inspire de rond et on souffle de plat. Dernière fois, on inspire de rond, c'est pas votre cas? Moi, c'est mon cas. Allez, et on revient au plat. Hop, on pousse les fesses en arrière. On rapproche les mains des genoux. On bascule le poids du corps en arrière. On garde les mains au sol. Et regardez, on détend les jambes. Alors, j'ai pas dit on tend les jambes. Hein, j'ai dit on détend. On relâche le buste vers le sol. Je vous ai pas les esthéticiennes, le boulot que l'on va avoir après, hein, pour les épilations. Hop, et on déroule. Allez, on déroule le dos. Parfait, on vient ici. Ok. Avec toutes les bandes de cire qu'on va enlever, on va avoir des cheveux sur la langue. Hein. Allez, on y va, et on tire sur le côté. On revient ici, regardez, vous gardez le bras là, vous le ramenez derrière. On relâche, on croise la jambe droite derrière. Et on tire, oui, c'est rigolo. On revient, on se remet face, on prend ce coude, on ramène derrière, ça étire le triceps. On relâche, on inspire, sortez la poitrine, gonflez le buste, ok, coude vers l'arrière et montez les mains ici, attrapez-les, montez très haut, très loin, grandissez-vous, 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 relâchez les épaules, relâchez les bras, et c'est terminé, merci beaucoup, bravo à vous pour ce cours de reprise ensemble, de jeudi matin. Écoutez, vous avez été super courageux, vous avez suivi jusque-là, c'est parfait. Franchement, il y en a plein qui ont repris le travail, le télétravail. On pense très fort à eux, surtout, d'accord? Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont mis des messages ce matin. « Ah, je te verrai en replay, je te verrai en replay. Dommage, je ne te verrai pas en direct, etc. etc. » Bon, il nous reste les week-ends pour le direct tous ensemble. J'espère qu'on va cartonner ce week-end, d'accord? Vu qu'il y aura moins de monde en semaine, puisque les gens travaillent, j'espère que le week-end, on va cartonner. Donc, je compte sur vous pour les week-ends. Invitez un maximum de monde sur les lives, ok? D'accord? Et puis là, ben voilà, ça y est, on a fait la famille, donc on est tous ensemble, c'est génial. Discult dit traditionnel, d'accord? Donc c'est un beau discult des années 80, dit traditionnel, où on désegmente en fait les mouvements et où on travaille en fait sur les exercices de base musculation vous a plu. Je vous rappelle encore que les exercices que je vous ai faits pour l'épaule, que ce soit la rotation externe, en avant comme ça, la rotation interne, d'accord? Ok? Qu'est-ce que je vous ai fait encore? Je ne me souviens plus. Et en bas, la rotation externe en rapprochant l'omoplate et en fixant l'omoplate derrière sont des exercices idéaux si vous avez un problème de coiffe des rotateurs pour vous, justement vous soulager au niveau de l'épaule. Ok? Je vais essayer maintenant à chaque cours de vous donner un tips qui va vous servir, un tip, c'est une astuce qui va vous servir pour la vie de tous les jours. Alors bien sûr, lester, pas lester, avec un élastique, avec un poids, avec une bouteille, avec ce que vous voulez, mais vous pouvez le faire tout le temps, d'accord? Le reste, c'était du traditionnel body sculpt, voilà. Donc, on va essayer de trouver chaque fois des logiques de travail pour que ça puisse vous enrichir les uns les autres. Moi, je vous dis, peut-être tout à l'heure, par post interposé sur le groupe, parce que je crois que le livre est bientôt arrivé à sa fin, d'accord? Ok, donc je vous dirai comment vous le procurer, puisque ce livre, nous allons à tous vous l'offrir. Voilà, je remercie encore Patrick Robb, notre modérateur, qui m'a aidé à la conception de ce livre de cuisine du confiné.
Et bien sûr, c'est un cadeau pour vous, pour qu'on puisse marquer d'un point d'exclamation géant ces 2 mois que nous avons quasiment passé ensemble sur ce chat. Et peut-être que ça va continuer, mais ça, on le saura plus tard. Ok ? Je vous embrasse très très fort, je vous fais de gros bisous. Et surtout, 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 prenez soin de vous, prenez soin de vous. Bon café, désaltérez-vous et je vous dis à demain, 9h30. Attention, vendredi matin, samedi matin, ce sont des gros, gros cours. Ok ? Voilà. Donc, accrochez-vous, prenez des forces. Bisous les amours.